Qu'est-ce qu'une naissance à votre avis? Mais on se laisse faire, voilà tout. Et la vie vous étreint. Et alors? C'est peut-être dans la chambre d'une clinique, entre deux gares par exemple. La clinique qui avec les ans va disparaître, comme le boulevard qui la porte. Le boulevard qui est resté ouvert au vent de la guerre et du commerce. La chambre. Sentiez-vous que vous êtes né dans une chambre? Moi non. Mais entre deux gares à Saoui, l'espace des boulevards, l'espace des exodes, l'espace où on se retrouve sur l'ailleurs, des avenues et du monde au hasard. Accueillis par les roseaux, accueillis par le présent, partout se perd sans racine. Accueillis par les arbres couchés sur bleu de fleurs, sur quelques herbages sauf, encore sauf. Accueillis par des chevaux riches en crinière, par des violons, par des puits à moutons. Ah, salut les fuites, ô fuite du salut. On vit, nos sacs sont pleins de joie, de bondissante lenteur et de tristesse. Les paysans, eux, respirent encore à l'ancienne. Lointain pays calme, où des cœurs peuvent s'enfler, s'emplir du souffle qu'on lui donne, comme rayon de vent vivant, coup, baguette de la magie, de la vie, car la vie est un songe, mais le rêve est bien vrai. Cette vie est un conte de quelque inconnu qu'on attend. J'ai, en d'autres vies, tant espéré de l'inconnu. Car la vie est un songe. Mais le rêve est bien vrai. On vit. Nos sacs sont pleins de joie, de bondissante lenteur et de tristesse. J'ai, en d'autres vies, tant espéré de l'inconnu, ma fée, ma fiancée.